أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qui nous commençait, c'est comment Coran lui transforme la vie indigne. L'effet Coran dans la vie indigne. Nous commençons par une réflexion. Si nous faisons un bilan, un musulman, tous les temps, il nous a fait ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Ça veut dire, il prend son nafs, il met son nafs accountable. Il guette un coup, il fait un bilan spirituel. De ce nafs. Quand nous guettons, comme Ramadan est traversé, si nous faisons un bilan, 10 derniers Ramadan, 5 derniers Ramadan, 3 derniers Ramadan, nous posons nous-mêmes une question. Mais, ça, 20 derniers Ramadan qui nous traversent là, qui quitte chose qui ne change dans nous? Est-ce qu'il y en a une amélioration en termes de iman, en termes de ibadah, en termes de samanakchouan? Si nous guettons, nous prenons en termes matériels, nous voudrons que du tout qu'il a, nous a un objectif qui est bien défini et qui nous bien déterminé pour atteindre cet objectif-là. Il est bien défini et nous bien déterminé pour atteindre cet objectif-là. Ça veut dire, un djimoun peut-être, s'il est dans la case, pour lui, sur l'objectif-là, il est bien faire tout ce qui est dans sa capacité. Pour y rester dans la case, même si vous avez des travaux, trois travaux. Et dans du monde, ni peut-être ni besoin un transport. Et dans du monde, ni peut-être ni besoin acheter un latéral. Maintenant, ça même, l'objectif qui est bien déterminé là, ça aussi, ni besoin pareil côté spiritualité. Ça veut dire côté mot iman. Nous prenons un autre exemple, une autre réflexion. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yastahi. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى يبعوتي. Ou donne-toi l'exemple un musique. Quand vous êtes un musique mal, cela a mis une semaine. Ça veut dire, dans une semaine, là, qu'il fait, il est né, il est un petit baba, il est grandi, il est marié. Les faits enfants, les huit grands du monde, les mots. Quand nous ne parlons pas d'Allah, Allah Ta'ala nous sort plusieurs places dans le Coran. L'ami al-Bathuna illa sa'a. Quand Allah Ta'ala nous demande, Mohamed, combien de temps tu fais de la terre? Pourtant, nous fais beaucoup. Il y en a une fait 10 ans, il y en a une fait 20 ans, il y en a une fait 100 ans. Nous, à l'instant, il y en a 950 ans. Quand on voit que Allah qui nous vient, mais c'est moi comparé avec les temps qui tiennent avant, les temps d'Abarzah, Zoukayamat sur les temps de 10 jours à 50 000 balanés. Il nous dit, oh Allah, nous venons faire 10 un parti dans la journée. Ça va, ça va quand il y a un temps. Et dans les autres, tu vois, il pense un jour, un parti dans la journée. Donc, ça, les temps qui Allah la fin de nous, là, qui est là, c'est nous vient guetter. Premier, nous regardons l'objectif. Déjà, c'est qui les temps nous guettent, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 400 balanés avant. Avant les mini, avant les prophètes, ce qu'ils appellent Jahiliya. Qui a été bien dit, mais seulement avec l'arrivée du Coran, un affaire extraordinaire, c'est qu'il fait une transforme ben arabe. Alors, tu as compris? Nous finissons déjà un livre, Fihi Zikrukum, qui mange une zone. Je même, ben, arabe, même dans une littérature, partie à manger une zone. C'est partie à livre, même zone. D'une façon, c'est comment dire, quand un parti déjà comme une zone, partie à ça qui mange une zone, une partie pour connaître. Le petit ben nomade. C'est la transformation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une transformation zone là. Qui a dit zone féminine, les mots de zone féminine, ben, élite mondiale.
Numéro D, en même temps, simultanément, je paie la guerre contre l'Empire romain avec l'Empire perse. Et je peux faire victoire un derrière l'autre. Avec ça, l'effet Coran. Pareil comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, moi, c'est lui qui prend Coran, il met devant lui pour aller m'amener vers victoire, il m'amener vers paradis. C'est lui qui prend Coran, il ne dit pas derrière lui, derrière sur les deux. Ça veut dire qu'il ne dit pas qu'on prend Coran. Qui est arrivé? Lui, pour amener vers l'enfer. Ça veut dire, et à tel point qu'il, maintenant, sa Coran, il vient faire vers les musulmans, vie. Ben élite, t'as le mec qui m'a obligé de ça. Pour un, fin faire ben musulman, vin ben élite dans tout domaine qu'ils ont pensé. Ils ont les mathématiques, géographie, langage, comment dire tout, vous pouvez dire tout. Quand vous voyez, pendant le 8e siècle jusqu'à 12e siècle, ben européen appelle ça Dark Ages, de Choco, Kalim, la bougie, etc. Pour nous, on appelle ça Golden Age. Pour les musulmans. Parce qu'il fait, nous tous qui musulmans dans sa 4 siècles, 8 à 12, ça veut dire 400 par année, je finis à avoir plus que 1000 qui choses. L'arrivée de soi, nous sommes qui finit à monter. C'est un fait extraordinaire. Ça veut dire, à la fin, fin faire, je finis dans l'élite. Parce qu'il fait, je finis prendre livre Allah subhanahu wa ta'ala, je finis mettre des bons jours. Nous prenons vite, vite, bien rapidement, 3 tiers anecdotes. Ça veut dire, là, nous finis prendre livre, nous prenons livre en général. En termes, oumat, comment ben oumat là? En général, quand oumat là, il prend ça, je finis progresser. Nous prenons 3 anecdotes dans la vie, 3 sahaba. 3 sahaba qui, en général, je n'ai pas trop connu. Premier, Nena Mourira ibn Shouba, radiallahu anhu. Mourira ibn Shouba, lui, le tida taïf, lui tue dans cette tribu même, lui tue 13 moun, c'est un criminel. Qui a, après ça, il a sauvé les tribus, là, il finit à aller. Quand ce 27 tribus, etc., maintenant, je fais une bise, ramasse rançon, on va dire, pour payer Dia. Dia, ça veut dire, quand tu es un djimoun, c'est 100 mots. Ça veut dire, depuis 13 djimoun, c'est 1300 mots qui parlent de mise à payer. Il sauvé, les criminels. Mais après, pas des mois, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit accepter l'islam, quand il est en ce moment, il dit à Radio Allah, c'est une transformation extraordinaire. Qui finit venir dans lui, à tel point que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans Kachena traité Hudaybiyah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit faire, finit prendre lui comme son personnel bodyguard. Qu'est-ce que tu sorti, qu'est-ce que le Coran finit transformé, qu'est-ce qu'il finit venir. Nous prenons déjà. Une autre anecdote, nous prenons l'exemple Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu. Abu Dhar al-Ghifari qui dit c'était lui, l'était dans une tribu qui, ben tribu là, c'est un mercenaire. Mercenaire veut dire, je t'appuie à ta, ben caravane, je peux qu'un jeu. Pour jeter ça, je gagne pas ça. Je travaille. Mais je t'assois quand je peux traverser, etc. Ça, elle. Ou bien, c'est la même tribu qu'on va voir quand tu perds la guerre, tu peux payer, je te casse. Ça veut dire que sa tribu là, Dimé, il paye mon place, je prends la guerre avec lui. Dimé, sa notre tribu là qui paye mon place, je prends la guerre avec lui. Demain, c'est sa tribu là qui paye mon place, le gars là donne plus fort, il finit payer mon là. Je quitte lui la guerre avec lui. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il y a éthique, pas qu'il y a moralité, pas qu'il y a un monde dans le jeu. Là, qui est arrivé, le temps de finir tard concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Li al dans Makkah. Là, il y a dans Makkah plusieurs la nuit, les cachettes, les spéboises de Los Amzar. Que finalement, les jeunes arrivent à l'Orwan et Nadia qui a beaucoup de sidi. Finalement, ils finissent avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le temps de finir accepter l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, allez retrouver votre tribu, faire d'Awa. Après ça, quand tu finis de dire que ben, le musulman peut faire victoire, te revenir vers moi. Là, qu'est arrivé, lendemain, qui dit faire, il y a des mon cabal, il dit, je vais accepter l'islam, je vais pas. Quelques jours, il finit de faire. Alors, je vais dire, je ne vais pas dire non, il garde de l'islam secret. Finalement, après ça, il finit de gagner, bien bardé.
tina al qabbas ki fi ni ki fi defani tata rasul sallallahu alayhi wa salam finalement le final de cette tribu là il a fait d'avoir avec cette tribu extraordinaire mais ce qui quand tu dis tira and back manager qui tient voler dispute attaque jimun quand ça déjà quand déjà attaque jimun because attaque au minan because vol avec violence ça c'est la partie là tu y tout là ça quand tu dis tu l'islam il transforme lui quand l'islam il transforme lui qui il vient vini il vient vini parmi ben c'est un moment que les converti là ben ça pas autre apporter c'est à dire apporte Rasoul Salam sur madame Khadija sur ben enfant qu'on connaît comment se partir à Abou Bakar Siddiq premier parmi ben grand djimoun tena Zaid parmi ben esclave tena Ali parmi ben enfant je compte Abou Dhar 6e ou bien 7e djimoun qui vient converti à l'islam c'est à dire les parmi ben premier convert et dans le final contre l'Iaster nous force ouais beaucoup d'années après plus que 10 années après quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dans Madina Abu Dhar il t'a dit que Rasoul il fait hijra qu'il peut commencer à faire victoire etc l'état il peut venir ben musulman se peut gagner peur jamais connaît Abu Dhar peut venir ben là se peut penser sur un des attaques avec sa conscience qui n'arrivait l'imprend des tribus les mines avec lui premier tribu Rifar deuxième tribu, Aslam, sa deuxième tribu là, je suis converti. On va voir. Je suis converti des tribus. Et les filles, amène tout, les filles rentrent dans Madina. Les filles, je suis rassou sur le Lord. Et dans le Rassou sur le Lord, je suis 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 bien, bien content. Gagnant les gueules. Dernière anecdote, nous prenons l'exemple de Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh, il est converti de tout compte quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il y a un premier traité qu'il a fait avec Benjamin qui est sorti de Madina, qui a 6 zimoun, l'année prochaine, il est venu encore dans la terre, il a 12 zimoun, l'année prochaine, il est venu 72 zimoun, donc il n'est pas obligé avec lui. Il est converti là 30 ans. L'imo là 36 ans. Ça veut dire que l'État nous guide sur la vie. Combien de temps l'islam qui est pratiqué? C'est 6 balles. Mais seulement ça, 6 balles est là. Il n'y a pas de rose à Haba quand il est malade, il est blessé dans la guerre. Rasoul 60, tu peux venir rendre visite personnellement. Il n'y a pas de Haba quand il est mort. Trône Allah subhanahu wa ta'ala fin tremblé. L'Ibam Ibn Rasahaba, quand il fin mort, Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre 70 000 faristas pour recevoir lui dans les ciels. L'Ibam Ibn Rasahaba, qui, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux enterrer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam personnellement venu ici. Toujours, transformation, pas quitter. Maintenant, on a dit un coup, on a quitté sa terre. On a dit qu'on a quitté sa terre. Il faut déjà comprendre, je connais aujourd'hui, nous venons, comme on dit, ben, des gens qui ne nous pas croire, nous pas nous convaincre concernant nous livre nous-mêmes. Comment mettre ça en fin de finir pour un, je dis quitter pour l'or, livre à la souffrance. Ou ça, je dis calam ou l'or, parole à la souffrance. Munazzalun ala nabi sallallahu alayhi wa sallam qui fin descend le rasoul sallallahu alayhi wa sallam bi wasitati Jibril alayhi sallam par l'intermédiaire Jibril alayhi sallam pendant une période 23 mois donc là nous arrêtons nous disons c'est un livre qui fin écrit un livre qu'on peut dire il fin être écrit il pas écrit le latin il écrit là. Coran, ils font partie de la Kutub Samawiya. Souvent, nous ne pouvons pas dire, hey, c'était tel livre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas trop dire, c'est parce qu'il y a un réseau social. Mais longtemps, nous pouvons dire, hey, apprends tel livre. Par exemple, tu peux parler malade. Il peut expliquer, il y a un artisan, etc. Donc, réponse à tout dans le livre, souvent. Il y a 313, environ 313 livres qui a l'un des saints des biologiques.
C'est à 313 000 gars, c'était. 312, on roule là-dedans. Je viens de descendre direct de la terre. Et il y a un seul qui ne vient pas de descendre, il n'arrête pas de le laisser. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Allah ta'ala écrit destin, il écrit aussi tout le livre, ça veut dire Coran, Torah, etc., qui, ça veut dire je paye le temps que je peux descendre. Ça veut dire quand on arrive à l'époque Moussa, alayhi salam, Torah, vous pouvez descendre. Dans l'époque Isa, il descend même, quand Paris, l'époque Isa, il descend, il dit descend. Maintenant, quand on peut dire, Inna anzalna fi laylatil qadr, Imam Ibn Kathir, dans ce tafsir, il dit, Coran, il sorti le lawh mahfouz, il descend depuis le premier ciel. Sa place dans le premier ciel, c'est une place qui bénit. Appelle-lui Baytul Rizza. Bayt veut dire la case. Rizza veut dire gloire, la maison de gloire. En anglais, voilà, traduit « The House of Glory ». Quand il arrive là-bas, il est sorti là-bas, il est sorti loin d'être. L'Arhé Mahfouz, qui est là, c'est une place qui, l'Arhé veut dire tablette, Mahfouz veut dire préserver, appelé « The Preserve Tablette », c'est une place que destin est créé là-bas, qui personne ne connaît, apporte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est là-bas, qui n'est créé là-bas, qui destin qui est là-bas, est secret. Il sort de la place secrète là, ça veut dire dans les commandes des villes publiques, les villes de premier échelle. À partir là, Jibril alayhi salam, les vous prend Coran, les vous descend de la terre, bout par bout. C'est-à-dire, le Coran est différent avec tout le livre. Maintenant, juste pour nous capables de comprendre, c'est-à-dire, Coran qui a été spécial, il est spécial, et il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour Coran qui est capable de descendre. Si ça, si vous avez une de ces conditions là, Coran ne pas descendre. Donc, Imam Ibn Kathir, il dit Anzalallahu ashraful kitab. Allah Ta'ala il fait une dessin plus noble. Livre qui plus honoré. Livre qui plus respecté. Parmi tout bel livre. Bi ashrafil lughat. Allah Ta'ala fait une dessin ça à ce dans le langage qui plus noble qu'il y a. Ça veut dire le langage arabe. Et Adam alayhi salam dit qu'il est arabe. C'est quand Allah Ta'ala dit, première parole que Adam alayhi salam disait, c'est Alhamdulillah. Parole là, l'arabe. Et Alhamdulillah, pas capable de traduire ça. Alhamdulillah, c'est une parole qui n'est pas capable de traduire. Donc, fin de sens, c'est le langage qui est plus noble qu'il y a. Gala Ashrafil Rusul. Le fin de sens, le plus noble de tout bas messager. Baik ma Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ma ana sayyidi walad Adam yaum al-qiyamah bila fakh. Dia mumin pu chef tu ben enfant Adam jusqu'à yaman sans aucun fakh. Rasul sallam c'est afdalu khalq ajbari. Bon ben tu as tu que Allah Ta'ala qui crée c'est créature plus noble. C'est-à-dire fini sa créature là ni vini à sa pour en aller des années. L'indécence biwa si toi. Ashrafil malaika par l'intermédiaire plus noble de tout ben malaika, de tout ben ange. Ça veut dire Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam lui-même chef de tout ben ange, plus noble qu'il y a de tout ben ange. Allah Ta'ala fin de ni, ça veut dire là nous trouvons ce qu'il y a, c'est nous à la ligne de nobilité là. Nous gagnons les côtés livres, côté langage, côté prophète, côté ange. Pour finir là. Il dit fi ashrafi biqa'il ard li fin descend dans meilleure place qui existait de la terre. C'est Allah Ta'ala fin valorise Makka Mukarrama. Ça veut dire la même place que tu connais quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'est dans la cave Hira que la première révélation li fin descend. Wa tadi nuzuluhu fi ashrafi shuhur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire là, le film gagne tout ça là, vous êtes réunis ensemble dans la même place, là, ce n'est pas suffit. Qu'il y a un commencé par Ashrafil Shuhur, plus noble dans tout ben mois, ça veut dire le mois de Ramadan. Et ça, si ce mois de Ramadan n'est pas suffit, le film choisir meilleur la nuit, Ashrafil Layali, ça veut dire Laylatul Qadr. Là, à ce moment-là, Coran a dit ça. Maintenant, quand Coran vient de descendre à ce terre, pour qui ça n'a pas vient de descendre? Imam Ibn Kathir dit, « Fakamula min kulli wujud. »
Coran li fin complété dans tout l'homme qui nous guette. Maintenant Coran fin descend pour qui ça n'a Ashrafil l'humain pour meilleur dans tout ben Umar qui Umar ça Umar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à lui-même, il dit antum tuwaffaruna 70 ummatan. Il dit azot azoujou dit quoi avec ce ben sahaba, ça veut dire continuer ma génération qui vient après jusqu'à Kayaman. Il dit azot je peux remplir azoudi 70e ummat. Ça veut dire avant nous génération 69 ummat qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé dans la terre dans différentes places, dans différents époques. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit antum khayruha, vous êtes meilleur de sa ummat. Wa akramuha, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous plus donner plus respect. Ça donner là, ça respect là, pour qui dit ça? Pour suivre le Coran. Ça veut dire c'est lui qui nous suit ça, l'Iba, qui peut arriver. Allah subhanahu wa ta'ala pour nous la victoire, pour nous le commandement de la terre. C'est lui qui peut délier sa livre-là. Quand sa même Ummat, ça veut dire dans une dernière génération, qui peut gagner plus grande finition qu'il y a. Qui va comparer avec les autres Ummat, c'est qui était, c'est Kriyama. Quand je peux délier Allah subhanahu wa ta'ala, je peux délier ce dîme. Donc Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala favorise, parce qu'il était, il gagne meilleur Ashrafil Rasul, il gagne meilleur prophète, et il gagne Ashrafil Kutub, il gagne meilleur dans tout bandit. Maintenant, le temps nous guette, ça livre là, nous prend nos réalités aujourd'hui. Première affaire, nous vous trouvons du monde en général, je te servis un mot, pas gagner le temps. Pena barakat, et grand-mère qui m'a mis là, levé là, pas gagner le temps, qui arrive à soi. Donc, problème commun. Problème mis nos musulmans. Musulmans, pas lire quoi. Musulman n'est pas prendre barakat avec Coran. Un musulman, comment il est supposé dire Coran? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous tous connaissons quand nous levons, nous disons doit. Alhamdulillah, il a dit ahyana ba'dama ma'na wa lahi mishou. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dernier partie surah Al-Imran tous les jours. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la ayatin li ulil al-albab. Jusqu'à surah. Dis-moi ce qui dépasse, elle passe avec trois corps. Ça veut dire, musulman dit comment il est venu. Maintenant, un musulman, plus tard qu'il est levé, qu'il est. C'est bien faire face à ça. Ça va être musulman qui est tort. L'élevé dit avant Fajar, ça veut dire qu'il y a Azam Pédoné, il finit faire son bazou, il peut aller, il peut faire, soit là. Après, soit là, qui arrive à ce terme. Après, soit là, nous avons un Afkar pour nous faire. Et nous n'avons pas pour nous. Là qui est arrivé, Allah Ta'ala fait éloge. Ben dis-moi qu'il y a Qur'an après Fajr. Allah Ta'ala mentionne mon Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Ben dis-moi que je peux lire Qur'an après Fajr. Ça veut dire, comparé avec les autres liens, ça a l'air d'être spécial pour Qur'an. Il y a un témoin. Ben témoin qui était, nous n'avons pas de malaïka. Qui, tous les jours, nous actions les montées contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons des liens qui actions à nous. Nous avons l'air. Asar et l'air Fajr, c'est-à-dire Astéla. Donc là, nous avons là, nous avons des chiffres de un l'air Asar, un l'air Fajr. C'est-à-dire que nous avons un groupe de 11 qui je descends dans les ciels. Je pourrais vous faire Asar ensemble avec nous. Je pourrais rester jusqu'à demain Fajr. Je pourrais faire Fajr. Ça dit. Délai là, on s'en est présent. Après ça, je t'annule. Après Fajr, je monte dans les ciels. Là, nous avons un groupe 11 qui est venu avant Fajr. Je fais Fajr. Et tous les groupes 11, je dois aller à Fajr. Et tous les groupes 11, je dois aller à Asar. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il vient avant Asar. Le groupe là, il vient avant Fajr. Quand il va aller après Asar, le groupe là, il y a après Fajr. Quand je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui je dis à ça? Je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand nous finissons vini, maintenant tu peux faire namaz, tu peux faire adka, je peux dire pour Coran. Quand nous finissons aller ici, qui Dieu, pareil, je peux faire namaz, je peux dire adka, je peux dire adka, je peux dire pour Coran. Ça veut dire,
je te mentionne nous comme Allah subhanahu wa ta'ala. Pas oublier tu qui dit salat, ta salat qu'il y a pour l'année, et pas oublier tu l'adhkar, et pas oublier tu Qur'an. Maintenant, nous avons un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نحن عن قب جمون كي جوان سعادتنا كونشون في بيت من بيوت الله كي جوان دان ان لكاز بومي من لكاز الله سبحانه وتعالى دو لكاز الله كده سي مسجد جوان جوان دان مسجد ça veut dire ça ribarat qui vous pratiquez dans masjid là ça même ribarat que vous pratiquez en dehors n'est pas pareil parce que l'ensemble qui mentionne une spécifique Rasul sallallahu alaihi wasallam yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Donc Rasul sallallahu alaihi wasallam, je peux lire, soit je peux lire livre Allah subhanahu wa ta'ala ou bien yatadarasunahu bainahum. Je peux en penser entre, je parie qu'on peut faire là. Ça veut dire que là maintenant qu'il apprend din Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un ribadat, c'est une action qui Allah lui content, lui satisfait. Et cette action là se valide comparé avec les autres actions. Comparé avec ben, les autres ribadat. En général, il y en a plus de valeur, il y en a plus de vertu. Tant qu'il arrive à ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accepté qu'arrivé. Nazalat ghalayhi musakina. Numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut descendre tranquillité dans sa benjimouna, je te l'écrire. Pour sa ribadat, qu'il peut faire à cette heure-là. Ou bien dans n'importe qui m'a dit, qui je peux faire causerie, qui je peux montrer Coran, je peux montrer Hadith, je peux montrer lecture Coran, je peux montrer Hifz, dans n'importe qui façon, je peux apprendre dans la case Allah. Il y a un malaïka qui disait « Wa rachayat humur rahmat » Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pour couvrir les autres, liancer avec les autres. Deuxième. Troisième « Wa hafat humul malaïka » Dans le malaïka, je finis, je couvre les ailes, l'eau, ça va être une qualité du moulin, et وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ Et maintenant, je raconte Allah subhanahu wa ta'ala, je vous mentionne ça, ben jimoun là, et Allah subhanahu wa ta'ala, si, à ce tour, masin en jimoun, allez, masin, dès qu'il vient à coup jimoun, ça va être un coup jimoun là, 4 et content, je suis content. Ça veut dire que ça même, après ça, pique. Je non pour mentionner dans les mondes d'état. Masin Aster, un enfant qui gagne l'Oréa, jour qui grand matin il peut attendre la radio pour mentionner finement jeûner juste Maurice vous savez un des belles Mauriciens un petit peu entier du monde qui connaît il saute le roi vous voyez l'exploit deuxième Mazin nous non Allah subhanahu wa ta'ala il peut mentionner ça avec ce bel l'assemblée qui prie haute avec Allah subhanahu wa ta'ala pas qu'à comparer les mondes qui qu'a dit valait à l'aide pour nous qui qu'a dit pour nous prendre ce livre. Qui qualité valait ça? Et Zoukayamati, à la table, il pouvait honorer nous pareil. Là, nous l'artière, là, ça veut dire à cette là, à la table, il peut honorer nous dans les ciels. Là, nous l'artière, à la paix, honorer nous dans les ciels. Ça, l'assemblée qui est à côté à la table, là, pas capable de comparer avec les mondes, avec tout ça qui est là. Maintenant, on est en train de calendrier un bon bim, il est rempli avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fait ouvrir mille et une portes pour être du monde dans le paradis. Il avait condition. Elle peut ouvrir la porte pour qu'on en ait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est lui qui lit surah Mulk tous les jours, avant d'aller dormir, ou soir le soir. Il peut traverser ce qu'il appelle sa étape qui appelle Kabara, Barzakh. Othman radiallahu anhu. Quand les chipés rendent visite à Kabarastan, les chipés pleurent. À tel point qu'ils sont là-bas, ils tiennent gros là-bas, ils sont là-bas, ils sont mouillés. Là-bas, ils sont trompés en l'homme. Là-bas, ils commencent à se dégoûter, ils pètent de la terre. Les deux autres Sahaba qui rendent visite, dans Berlin qui est ensemble avec lui, je dis à Othman, qu'arrive-toi? Quand cause l'enfer avec toi, tu ne veux pas pleurer pour moi, tu es côté Kaba. Il dit à Bernard, Hawaï Hakoum, fais attention à eux. Les diabana comme ça qui, ça, c'est la première étape dans l'au-delà. C'est-à-dire quand Jimoun traverse par Sakrat, quand il traverse la mort, première étape qui arrive, c'est les mondes qui viennent, chaque fois qu'un Jimoun vient, il sens les mondes pas derrière fermés. Les mondes pas derrière les fermés, c'est l'autre monde qui n'a pas devant par là, il est ouvert. Et quand ça les mondes pas devant là, il ferme pas derrière sur les deux, encore, l'autre monde a ouvert. Et jamais ça les mondes pas derrière là, il est ouvert encore.
L'exemple, nous sommes dans la vie. Quand nous sommes dans la vie, nous venons d'avoir une maman. Il n'y a pas aucun insan qui sorti d'avoir son maman qui est dans la vie. À moi, il est dans la vie. Il n'y a pas dans la même place. Là. Il y a la même place. Première étape. Deuxième étape, nous venons d'avoir une maman. Quand nous sommes d'avoir une maman, il n'y a personne qui ne rend d'avoir son maman. Deuxième étape. Troisième étape, nous venons de la terre. Quand nous mourons depuis de la terre, nous roulons les halles dans une place qui nous appelle Barzakh. Ça, les mots, Ça veut dire que les mots du Nyala sont fermés. Il n'y a pas aucun monde qui retourne dans ça, les mots-là. Pareil, Zoukayama dans 5 ans, trompette pour souffler. Nous pouvons quitter les mots de Barzakh fermés par derrière nous. Nous arrivons au Kayamat quand nous levons. Quand nous nous levons, il n'y a pas aucun démon qui pourrait retourner dans ça. Les mondes n'ont pas ça. C'est-à-dire que chaque monde a une seule place, une seule lettre, une seule lettre, une seule sorte. Là, nous le latérons. C'est-à-dire que celui qui finit le Coran, il y a sur un monde qui arrive, il traverse ça, les mondes, ça est facile pour lui. Et quand il traverse ça, tout ce qui vient par les mondes est plus facile pour lui. Pour le Coran, Baraka Coran. Un autre hadith encore. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un hadith qui souvent peut-être entendu encore. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si un djimoun, après chaque namaz, lit ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu ila bi'idhni, ya'lamu ma bayna aydihim, wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Voici un conseil aux samawati ou à l'autre. Voilà, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Moins qu'un mythe. 5 namas, moins qu'un 5 minutes. Vous faites un namas, attaché avec un namas à Moses, il y a ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un nain qui peut empêcher sa djimouna pour rentrer dans le paradis, excepté sur la mort. Ça veut dire, depuis de la terre, sa djimouna, juste pour mettre ça qui chose en partie, il finit min en ahlul jannah. Et comment les mots, ce rôle rentre direct dans la pratique. Zis pas pratique, un hadith qui implique un ayat Coran. Donc, comme ça, combien de hadiths nous mentionnons Zis dès là? Nous mentionnons surah Mulk, nous mentionnons ayat al-Kursi. C'est-à-dire un surah, un ayat. Comme ça, combien de hadiths il y a? Combien de choses il y a comme ça dans le Coran? Je ne peux pas connaître, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas lire. Donc là, nous supposons réponse, nous répéter nous-mêmes en question. Ça veut dire, nous prenons avant Ramadan, nous faisons un contraste. Avant Ramadan et après. Ça veut dire que nous prenons toujours derrière Ramadan. Qui m'a appris dans le Coran? Est-ce qu'il m'a fait réussir à prendre un surah depuis le Coran nous mettons en pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon avis qui m'a participé à faire à partir du Coran? Il y a un commandement, un l'autre depuis le Coran, m'a fait prendre, m'a fait mettre en pratique. Ou bien le côté. Est-ce qu'il y a ce qu'il nous appelle ban interdiction? Ben quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala le fait faire? Haram. Ça veut dire que vous êtes un péché. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben Adam khattah. Tous les enfants Adam, je fais errer, je fais péché. Wa khayrul khattahin at-tawwabin. Meilleur parmi ben qui fait ben errer, c'est ben qui fait tawba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que parmi les gens comme ça qui ne sont pas offerts, ne sont pas à défaut, ne existent pas. Du tout, nous connaissons, nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui chose qui nous fait en secret, ouvertement, en cachette, etc. Donc, un dimanche quand Ramadan finit, au moins il disait, s'il y a un espace, un tapis qui a été fait, au moins il réussit à éliminer elle. Ça veut dire qu'il y a une progression qui s'est dit, il peut faire. Donc, là, il ne faudrait pas nous dire comment. Allah Ta'ala mentionne dans le Coran. Allah Ta'ala dit comme ça, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ. L'exemple, بَعْلْ كِفِنْ سَوْيَ تَوْرَةَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَةَ. Je te parie comme un bruit qui peut soyer ben asphar, qui peut soyer ben feuille papier, soit même du point de Taurat, mais de bruit là. Pour lien de Faudio, du bon courant. Ça les fins révèlent pour les juifs. Les fins révèlent aussi pour les juifs à propos de Torah. Ça, Ayat Kourana, quand les fins révèlent pour les juifs à propos de Torah, ils révèlent aussi à propos des musulmans qui suivent les juifs là pareil à propos du Coran. Qui veut dire ça?
ay buwik. Ay buwik li, doon may tayong follow lo li. Li po mose, 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 li piyatan, buwik pa kiyatan na. Kung sa follow lang kung suci lo li. Dali nga relief lang. Sa amin buwik kami taurat lo li, li piyatan kung kuyen follow sa. Sa amin juif, ki kung taurat sinis san lo, je pa tindi ali, je pa kompani, je pa napani pa okia, je pa napani sobel reglement, pa ek manu nina tajuit. Je ne pas fin mettre en pratique en valeur dans je la vie. Je vais parler comment ça vaut. Sans musulman qui lit pas le Coran, c'est-à-dire la Ramadan pour venir qui va arriver là Coran, une jolie place de tablette le Juda, ni petit Juda là mais d'amasser la vie là bien, écoute, tu disais un an la plus chère ou là, right? Qui dit pour faire? Assez pour le Coran un petit guide là. Les pour lire un petit guide. Alhamdulillah toujours dans la Ramadan, tu lis pas lire. Après ça, les pour mettre là haut. L'année prochaine qu'il bouge. Ça veut dire qu'il paraît comment ça bouge qui même bouge là ça est-ce que mettre un tas pour un le bouge là pour lier une fois d'or. Bouge là qui m'attend ni quand il arrive dans cette destination il bouge ça c'est récurrent là il bouge là ni il bouge ce fois d'or fin allégé lui. Donc ça dit mon qui n'est pas lié pour un n'est pas en point pour un n'est pas mémorisé pour un n'est pas en point sur ben la loi qui est là là-dedans, ça veut dire enaben, obligation et aussi enaben, interdiction, les filles paraît comment ça mène juif là. Il paraît comment ça brûle qui peut ça y est, elle fait de l'eau là. Il ne peut pas comprendre rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui, in tous les deux, avec mon zik, zik veut dire Coran. Celui qui finit tous les deux avec mon livre, mon Coran, à la trappe veut dire, l'ibou gagne la vie bien misérable. Tu n'as pas trop du monde là, il y a la casse, tu n'as pas trop du monde là, il y a le dos, il y a la casse. Toi, tu mets tout ça, c'est qui toi, tu mets tout là. Alors, à l'intérieur des lits, il y en a beaucoup la peine. Il y en a beaucoup de difficultés. Il y en a beaucoup de problèmes. Qui fait? Lis tous les deux avec Coran. Fait que l'on a réussi à t'en donner un cas. On a surhomme yom al qiyamati amen jour qiyamah nous couler ça ti moun la avec li partout li pou di man la ta qala rabbi lima hashadani amen wa qad kuntu basira ya o allah ki fiya te pele moi avec azoudi jour qiyamah le la dire moi tout clair allah allah ta rabbi jali comme ça et pareil comme ça même mon ayat coran mon livre li ti vin bi toi te ti tous les deux avec Coran, il est pareil comme ça même, pas qu'à d'aller lire au matin comme ça, comme ça même aujourd'hui tu peux être oublié. Ça veut dire, Zoukayamat qui est arrivé là, Allah tourne les doigts avec lui, ben Malaika tourne les doigts avec lui, tout ben prophète tourne les doigts avec lui, tout ben Sahaba tourne les doigts avec lui, tout ben Mokoui tourne les doigts avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, avec ce qui dit, un musulman il faisait réfléchir, il faisait reprendre, numéro un, nous ben répéter de la vie. Déjà, nous faisons régler tout bien quelque chose dans une perspective. Ça veut dire, est-ce qu'il m'a pas été digne dans l'homme qui vise à être lui? M'a pas été digne façon que Allah subhanahu wa ta'ala fin descend le Coran là, raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala le fin descend le Coran là. Donc, nous vous terminons par un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, inna lillahi ahlina minan nas. Dans ce hadith là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala avant tout n'a compris qu'il veut dire ahl. Ahl veut dire famille, ahl veut dire pluriel, beaucoup famille. Allah subhanahu wa ta'ala il y a une famille comme Benjamin. Ben sahaba pour le faire, je t'en sais, je te choque. Est-ce qu'Allah ta'ala a une famille? Allah ta'ala a une famille, nous connaissons. Allah ta'ala s'est mis figurativement. Donc, nous tout connaissons, dans le Coran Allah ta'ala même il dit qu'il y a Allah ahad, juste pour dire, mais ça clair pour le latin. Allah Ta'ala li unique, Allahu Samad, Allah li absolu, il n'y a pas besoin de personne. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, zamin il prend naissance, zamin il prend naissance. Wa lam yakul kufuwan ahad, et puis il n'y a pas personne égale à lui. Allah Ta'ala zamin il prend naissance, zamin il prend naissance, c'est-à-dire dans sa ayat Quran, il prend la famille. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Ta'ala n'a pas la famille de la terre, ahlina, ou soit, elle n'a pas la façon qu'il prend la traduire lui en gros, ça veut dire que vous disposez pas de service à mon famille là, mais c'est ma ahl, je veux dire famille. Allah Ta'ala avait dit mon personnel, proche à lui. Il veut dire proche même.
Vous le comprenez, hein? Nous prenons Mazid. Mazid nous dit Baytullah. Mazid, c'est la case Allah. Est-ce qu'Allah a besoin de la case? Est-ce qu'il nous besoin d'arranger la case pour nous dire rester? Allah n'a pas besoin de ça. Allah est plus grand que la case. Allah Ta'ala, tout ce qui est dans la terre, en bas de la terre, dans la terre, tout ben la terre, tout ben les étoiles, les arbres, les rivières, les galaxies, les ciels, tout. Voilà. Mais seulement, ben, savoir, là, je vais t'expliquer, je vais dire, quand nous pouvons dire Mazid, Baytullah, nous pouvons prendre Mazid, nous pouvons connecter les nuages, attacher avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pareil, Fihi Sharaf, sa place là, il y a une place comparée avec ben, les autres places, il y a une nobilité, élevée, il y a une valeur, il y a une vertu. Pareil, concernant sa ben djimoun qui Allah Subhanahu wa Ta'ala, il y a une attacher avec, il y a une connecter sa ben djimoun là avec lui-même. Donc, nous avons été qui sont ensemble. Donc, Kholo, ben ça va dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasul, même nous, qui sont ensemble avec Jimouna ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et là, nous pouvons comprendre les affaires. Je dis, quand nous sommes nous, qui est quelque chose qui plus fait nous content, peut-être nous gagnons la case, le tour, etc. Ben ça va, c'est pas du tout ça, je dis. Quelque chose qui plus content, je dis, un seul mot. Tiens, un exemple encore. Quand maintenant tu fais, nous réponds à un groupe, quand, un premier groupe, ça va être habitant Madina, quand je suis venu faire Hajj dans ma cas, je suis venu faire 72 du monde, un bon, un peu faire Béra avec Rasoul sur ça. Quand je finis de faire Béra, je dis, y'a Rasoul Allah. Mais qui nous peut gagner en retour, nous peut faire Béra avec toi. Beaucoup du monde, quand, c'est juste nous, il va dire littéral, comme ça, nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Il y a des affaires qui sont bien deep, ça, bien, bien profond. Qui veut dire ça? Comprends une affaire à ce pour je, numéro 1, quand je préfère Béra avec Rasoul Sassan, je préfère Béra avec l'Islam. Numéro 1, je connais qui je tiens à ben traiter avec ben juif dans ma Madina. À partir de sa Béra là, tout ça traité là, casse écrasé. Ça, un. Deuxième, ça traité là, il veut dire aussi war, la guerre. Ça veut dire quand Rasoul Sassan, pour y a n'importe qui tribu qui peut venir. Par exemple, dans la guerre Ahzab, que Dieu tout seul fait, nous avons 10 000 dimoun, Quraysh, Ratafan, etc. Je suis venu pour attaquer l'islam, pour attaquer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je prends un engagement pour descendre. Je connais qui engagement je prends. Ça veut dire, c'est un engagement, la vie, la mort. Ça veut dire, même quand on prend la guerre contre Perse, on prend la guerre contre Romain, on prend la guerre contre n'importe qui s'en a joué pour Byzantin. Ça engage ça que je suis venu. En termes matériels, je dis quelque chose, je ne parle pas de en termes matériels, je gagne quelque chose avec Rasoul Sassan. Rasoul Sassan, il n'y a pas de problème. Pour nous dire, bien, d'une telle façon, il y a un peu de dans le marca, il vient venir avec Banana. Ça veut dire que vous avez des familles. Mais seulement, qui est quelque chose qui te réconforte de les guerres? Rasoul Sassan, il y a un peu de je vous gagne paradis. Vous êtes. Et je peux attendre 10 ans quand je suis une fille à Béra là. Imaginez là, quand Rasoul Sassam est un Mouhadir, Pévin, Madina, ben Sahaba qui peut faire de nous autres la moitié, et la peut-être la moitié, richesse, c'est là, madame, je vais m'accepter, va dire, choisir un peu de madame, laquelle, choisirai toi, moi, choisir pour ce qui est plus content, non, choisirai toi. À sa point là, ça veut dire pour eux, je connais qui, ce qui est musulman, pourquoi pour moi aujourd'hui. Jannat, il a un prix pour payer. Est-ce qu'il y a Allah Ta'ala pour donner toi Jannat comme ça? Mais non, tu peux bien faire des faux. Je t'y connais, je t'y accepté pour faire tout ça, sacrifice, tout ça, c'est faux là, pour gagner ça Jannat là. Mais c'est même Moussama, nous, qui nous venons. Nous venons finir, faire toutes nos belles activités modernes, on travaille dans la journée. Voilà, ce qu'on a dedans, on fait un petit kit dans ma marine, on va dire avec ça. Et ça, là, c'est le temps de kit dans ma marine, de tout le monde, c'est beaucoup comparé avec ben, les autres namas. Ça veut dire que tu n'as pas préféré. Moi, je n'ai pas tant de musulmans. Donc, ben, ça n'a pas besoin pour moi de dire comme ça. Dire, c'est quelque chose de plus important qui est dans la vie. Moi, je vais répondre à la répéter là. Coran, c'est quelque chose de plus important qui est dans la vie. Moi, je vais mettre le Coran dans cette perspective. Moi, je vais pareil comme moi, je vais me poser une question. Un parent, ses enfants vont faire l'école, il y a un corona, il va avoir un professeur. Et qui met le professeur avec un cours online? Qui fait? Il connaît si ce garçon va prendre les soins, il va le faire l'examen. Mais c'est moi pour lier, mais oublier ce grand examen qui est là. Il va le faire pas devant, il va piquer sa tête. Il va trouver important pour lui en prendre sa livre.
Donc, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mahum ahlul Quran. Sabana seban ahl. Ça veut dire ben famille, je famille avec Quran. Comment je suis famille avec Quran? Si quand je je viens prendre un engagement. Ça veut dire pareil comme Ramadan, nous prenons un engagement. Après ça, j'ai besoin d'un tibi Quran. Tantôt avant moi dormir, j'ai besoin d'un tibi Quran. Si mon père n'a pas Quran, comment dire mon patient est moins bien. Un musulman vient d'une de sa qualité là. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne victoire. Wa khassatuhu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bande personnelle. Comment dire, ben VIP que j'ai là. Les bandes savants, à ce stade, je explique ce hadith là. Je dis qui bande du monde qui je pouvais. Ça ben ahlul Quran ahlul law wa khassatuhu. Je dis numéro 1, c'est al yas'a al mar'u bi qira'atihi wal ikthar min tilawatihi. Déjà c'est ben du monde qui je dis comment dire, je dis prendre engagement tous les jours, je lis le Quran. Ça aide. Donc là il faut nous comprendre l'affaire. Alors ça met un range pour ben mu'min concernant le Quran. Un mukmin, ça veut dire que plus grand par risque dans ça. Dans 40 jours, il y a un mukmin. Voici un rasoul, ça va le voir, par exemple. Plus vite, 3 jours. Plus vite, ça veut dire que maximum de calia pour un, c'est 3 jours. Rasoul, ça veut dire la fin de nous, voici un rasoul, qui ne faisait pas lire pour un dans moins que 3 jours. Ben, ça, moi, je disais, quand je t'explique ça, ben, hadith, là, je disais, dans Ramadan, il y a un rasoul. Imam Shafiri, tu peux lire, faire un khatm pour moi tous les jours. Mujahid, un pauvre ventabiri. Lire, tu peux lire, et là, qui je peux lire, mettant le bête, banage ou ta vie extraordinaire. Et là, qui tu peux faire un khatm pour moi, entre Maghrib, avec échappement, qu'est-ce que ça? Pour un, c'est parole Allah. Pour un, c'est un suffat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une caractéristique Allah subhanahu wa ta'ala. Les temps, c'est une créature Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un, il ouvre les temps. Tu n'as une caractéristique Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as une créature. Une créature n'est pas faire voir contre une caractéristique Allah subhanahu wa ta'ala. J'explique à comprendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu peux faire Ramaz, pas plus de Ramaz, mais parce que Ramaz t'a dit pour moi. Une fois, un sahaba m'a dit, il m'a dit, oh, mais moi, j'ai envie de jouer là, mon parti vient à côté. Il vient à côté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient à faire namaz ensemble. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a sur la bakar, il y a sur la bakar. Il dit, ben, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 100 yards pour arrêter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 200 yards pour arrêter. Il dit, ben, on lui-même, là, on peut continuer à côté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben, écoutez, il y a sur la bakar, il va arrêter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sur la bakar, il dit, ben, il y a 100 yards pour arrêter. Pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lié sur la Nisan. Fini, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rentre dans surah Imran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, termine surah Imran, 5-6 paras. Si nous calculons 5-6 paras, nous causons un djibun qui lit le Coran bien, l'influence du Coran. Nous disons qu'il va pas lire extra vite, il va pas lire extra doucement, nous mettons sur lecture average. Il prend environ 30 minutes pour lire un petit para. Si il lit 5-6 paras dans un rakat, il fait nous des états nous, suivez-moi bien dans sa carte. Fini, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait le coup. Il dit sur le coup, tu même longueur avec ce priant. Ça veut dire, sur la Bakara, sur la Imran, sur la Nisa. Le coup, des états et demi. Pourquoi c'est un imam qui a gagné un parti? Il ne va pas rester à quand il levait depuis dans son prière, pareil, 17 ans et demi encore. Il y a dans Sizda, premier Sizda, 17 ans et demi. Là, nous n'arrivons pas combien là, nous finissons. Nous pas qu'on finit premier la 4 là. Nous n'arrivons 17 ans. Correct. Le temps il levait en 2 Sizda, 17 ans et demi. Le temps il refait sa dernière Sizda là, 17 ans et demi. La première à 4. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous causons premier à 4, 17 ans. Nous ensuite ce deuxième à 4. Les coups finis arrivent. Ça veut dire premier rakat, oui, environ 15 ans. Au premier rakat, ça veut dire 6 fois 17 ans et demi. 15 ans, premier rakat. Si nous ajoutons ce deuxième rakat, plus longuement encore, il y a combien? 37 ans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, combien tu as ajouté, tu peux faire? Parfois, avec ce 8 ans, tu peux faire 11 rakat, parfois, tu peux faire 13 rakat. Ça veut dire, nous disons 10 rakat tu as ajouté. Un des 10
premier nid là, 31 temps. Nous avons encore 8 comme ça pour faire là. Quand tu peux gagner temps? Qui est la raison que tu veux faire la master hajjou? Wa'alam annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire environ la moitié de la nuit. Seulement la moitié de la nuit qui compte. Coran ouvre les temps. Coran y met barakat dans les temps. Coran, Allah Ta'ala dit Coran, kitabun anzalnahu mubarakun. Ça arrive là, nous fait descendre la bénédiction là-dedans, et la bénédiction pour tout affaire, pour toute la vie, pour tous les temps, pour toute la vie familiale, pour toute la vie conjugale, pour toute la vie en toi, ta relation en toi avec tes mêmes enfants, dans toute sphère, même d'un côté casse, Allah Ta'ala met barakat dans la vie. C'est tout le monde. Mais c'est un peu que je ne peux pas comprendre. Du monde pas comprendre, un comprend. Je vais comprendre le contraire. Donc, premier, nous disons le Coran. Deuxième, mémorise le Coran. Là, Zoukaïmat, vous dites un djimoun, écra, wa ratil, kama kunta tu ratil fi dunya, fa inna manzilaka fi dunya inda akhiri ayatin taqawwa. Lire, réciter, comment tu sais, lire de dunya. Te daraja dans le paradis pour jusqu'à te dernier ayat Coran qui te lire. Une réflexion. Un enfant qui n'a pas atteint le plus grand niveau. Il fait 10 ans primaire, 10 ans maternelle, 6 ans primaire. Il peut faire environ 7 ans secondaire. Il peut aussi faire NBA dans 4 ans, il a fait dans un master, dans un PhD, ajoute encore 10 ans d'études. Ça, ces enfants-là, 30 bananes, il finit à l'apprendre. Donc, sur la vie, qui peut faire? Qu'il faut avoir une terminée du carambo. Il passe et il peut réciter tout ce qu'on sur 60 ans. Mais c'est vrai qu'il fait tout ça là, il a envie de dire atteindre ce pic, ce sommet. Ça donne du nien, il n'a pas 30 ans. Mais pour faire, combien de temps ça prend? 30 ans, il n'a pas passé pour récolter 30 ans. Le dunia. L'au-delà, c'est l'éternité. Mais combien de temps tu as investi pour l'éternité? Ça veut dire si je me dis pour la wad, il n'a pas de temps. Donc on dit 10 ayats courants, ça veut dire mon niveau c'est 10 ayats, on dit un niveau plus bas qu'il y a dans le paradis. Il y a plusieurs classifications pour un. Combien d'arajas il y a dans le paradis? Il y a plusieurs classifications. Un là-dedans, basé sur le hadith qui nous dit souvent. Nous avons l'application qui dit qu'il y a environ là-haut 6360 ayats dans le Coran. Ben ça va baser sur ça, ça hadith qui nous fait des autres. Je dis, il y a là-haut 6360 daraja. Chaque ayat qui te mémorise, tout le monde est daraja. Mais quand vous avez mal, tu peux apprendre à régler ça. Qui fait? Je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas mémoriser. Coran, pour mémoriser, il y a là. Il y a bien 10 mounes, il y a 60 ans, 70 ans, il y a 100 ans. Il y a. Mais j'ai une anecdote encore. De la rabbine pour vous assurer à quoi. Tiens, madame, 70 ans. Madame, là, il y a un grand couturier hier. Ça veut dire, lui, tu ne peux pas, pardon, il ne peut pas coûter un petit robe. Non, lui, il coûte, il va dire, une belle, belle robe. Ça veut dire, pourquoi il va dire, là, 100 000 roupies. On me convient 20 ans d'ici, là. À partir de ça, va dire, à partir de 100 000 roupies, à monter, il va dire, nous valer actuel. Ça qui lui coûte, ça qui lui prend comment. Après, ça, il donne les sous. Ça veut dire, ce même zélé, il y a un grand grand zélé. Ce coup, c'est. Arrive un lien, il va dire madame, il peut répondre. Sur la télé, il peut sentir, il peut rapprocher avec l'amour. Il peut sentir coupable envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, elle m'a mis sur le Benzélé de l'Arabie. Il dit, elle n'a pas besoin de payer moi. Quand vous finissez, montre ta donne les choses, je te finis, allez, restez avec moi. Montre-moi. Madame, c'est maintenant l'iman. Ce iman est reposté. Ce iman commence à manifester. Madame commence à prendre Alif Bata. Avec Zélim. Tu dis les soins. Madame va demander à faire une forme. Il y a une détermination. Je connais Maurice Bugay. Maurice Bugay, il est même qui a découvert qui Pharaon est le roi qui m'a noyé. Il tient chrétien. Il tient un spécialiste dans le converti. Il va dire ben, musulman, faisons une chrétienne. Quand il a découvert ça, il dit, madame, je viens de découvrir un affaire. Dans la Bible, quand vous faites des histoires de Pharaon avec Moïse, je vous dis, Pharaon est retourné à la case. Pas noyé. Ça veut dire que les gens qui m'ont dit,
Bien sûr qu'il y ait, tu crois, jusqu'à présent. L'État l'a découvert. Hein? Il fait une grande conférence de presse. L'État l'a fait une conférence de presse. Il peut dire, mais il découvre, il a fait une personne, il a découvert, qui s'est allé, voilà, il finit noyé. Parmi dans l'Assemblée, un rameau amène les mains. Mais c'est pas un homme qui a un imam, il n'est pas un homme extraordinaire qui n'a pas connaissance dans lui. Il dit, moi, c'est qu'il devait dire, les hommes ne connaissent pas. Il dit, c'est impossible. Je n'ai même pas l'entendu. Là, 50 ans, Astel est converti. Là, 50 ans, il commence à prendre Alif Batafa, il vient à l'enfant. Comme ça, on a beaucoup d'exemples. Il vient le mot détermination, le mot willpower. On va prendre Dina là. Nous sommes comme les commerçants, et les commerçants commencent à faire business dans 40 ans, 50 ans. Mais c'est moi qui n'ai pas. Là, 50 ans, ici, il n'y a pas de cause pour le 6 mois. Pourtant, il n'y a pas de cause. Un langage, il n'est pas nous mauvais temps. Il n'est pas même un langage qui a proximité avec nous. Mais c'est moi qui n'arrive, il connaît qui succès au business de Panlola. Ça veut dire, s'il reste quoi, sinon on n'a pas de couilles, sinon on n'a pas de couilles. Vous comprenez? Mais si on ne peut pas comprendre, tu ne peux pas prendre, tu ne pas réussir à prendre le Coran, tu ne peux pas dans l'enfer. Donc, premier, nous disons, lire le Coran. Deuxième, nous disons, mémoriser. Troisième, c'est qui? L'Iran en point concernant la loi Tajwid. Concernant, voilà, qu'on a sur la loi spéciale. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une cause arabe, Tajwid, il y a fait, même une cause arabe, il est né dans un pays arabe, il est obligé en point concernant Tajwid. Troisième, je dis, premier, il y a mémorise-le. Troisième, en point ce Tajwid. Quatrième, c'est maintenant, Qur'an. C'est un livre qui descend pour pratiquer, c'est pas un livre qui descend pour nous aller comme un perroquet. Nous l'y allons savoir, nous l'y comme un perroquet, c'est qu'il savoir. Mais seulement, l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin descend, pour un, c'est un livre pour te mettre en pratique. Ça veut dire, nous avons des qualités d'action. Nous avons action, les guerres. Patience, tolérance, sagesse, préserve, sagesse, théologie, bien, empêchement, pieux, humble, sage, généreux, doux, etc. Nous avons action qui trouve juste dans les guerres. Nous avons une mauvaise action, c'est qui tout dans les guerres, la haine, la jalousie, etc. Donc, ça veut dire qu'il vient pour éliminer, pour tirer sa belle mauvaise action là et pour mettre sa belle bonne action qui tout dans les guerres. Et aussi, nous avons les autres actions qui nous fait avec bellement, différemment, nous les go. Par exemple, nous faire soit là, nous go rosa, nous donne zakat. Beaucoup d'actions qui nous fait avec bellement, nous les go. Donc, on a venu pour dresser sa belle action là. Il y a une question qui t'a fait, il y a une question qui t'a pas fait. Halal avec haram. Donc, ça même qui soit là, tu es obligé de mettre ça en pratique là-dedans. Donc, quand un djimoun, il finit prendre ça même qui soit là, il finit mettre ça en pratique, il finit mettre ça en valeur. Donc, cela vit à ce moment-là de la vie. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous mettre à l'autre Coran. Il fait nous mettre à djimoun qui lit le Coran. Il fait nous mettre à djimoun qui mémorise le Coran. Il fait nous mettre à djimoun qui comprend qui ben la loi qui est là, donc hein, mettre ce ben commandement en pratique et surtout il fait nous aussi une ben djimoun qui enseigne le Coran dans n'importe quelle façon de la case, mettez en valeur avec tes madames, avec tes belles enfants, dit déjà un dawa, dit déjà un topé propage pour un n'a qui a la traîne de compréhension de guerre qui a la traîne de faire bénéficier pour ça que vous parlez là, subhanallah,